Bonjour, aujourd'hui de la science qu'aux humains. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Grâce à une étude, des scientifiques australiens ont constaté un lien probant entre ceux qui ont un mauvais odorat et les psychopathes. J'appelle tout de suite pour confirmer cette info notre correspondant Karl Lagarde-Robe. Bonjour Karl, où êtes-vous ? Bonjour Pierre-Yves, je suis à Le Luxe et c'est la V-City. Je vous confirme cette info BVI. Si vous saviez le nombre de psychopathes qui n'ont pas donné dans les défilés de mode, c'est époustouflant, c'est délirant, c'est défenestrant, c'est simple. Tous mes concurrents, d'ailleurs, tous ceux qui ne peuvent pas me sentir sont psychopathes. Alors que moi, je suis un nez qui lance des parfums que les plus belles femmes du monde portent. Le manche non stylé sont des psychopathes qui s'habillent chez les psychopathes, dont leurs petites mains sont des psychopathes. Ah, j'arrête là, j'ai la langue qui se vipérise. En tout cas, merci Karl d'avoir validé cette info au BVI. Encore une question, Pierre-Yves. Qu'est-ce que ça fait comme émotion de dire du bien des autres? C'est très agréable, vous devriez essayer. Ah non, je ne crois pas, non, j'ai trop peur d'attraper des amis. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.